Règle numéro 19. Utiliser des coïncidences pour mettre vos personnages dans le pétrin, c'est génial. Les utiliser pour les en sortir, c'est de la triche. Salut à tous, je suis Catherine Loiseau. Je suis écrivaine et formatrice et sur la chaîne, vous pouvez trouver des conseils d'écriture, des analyses d'œuvres, toutes les ressources dont vous avez besoin pour écrire le meilleur roman possible. Alors abonnez-vous et surtout activez la cloche pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve pour le conseil 19 de Pixar. On avance, hein. Utiliser des coïncidences pour mettre vos personnages dans pétrin, c'est génial. Les utiliser pour les en sortir, c'est de la triche. Alors, on est d'accord que ça, c'est encore une règle qui va faire plaisir aux auteurs sadiques. Ah, on est d'accord. Mais bon, il n'y a pas d'auteur sadique sans lecteur sadique. Donc des lecteurs qui aiment bien quand on fait souffrir le personnage et quand on le met encore plus dans la merde qu'il n'est déjà. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui fait ça très bien, c'est Jim Butcher dans sa série des Dresden Files. Vous pouvez être sûr que quand Harry Dresden, donc qui est le personnage principal, a l'impression qu'il est au max des emmerdes, il y a encore quelque chose qui va lui tomber dessus. Et j'ai envie de dire, c'est aussi ce qui fait partie du charme de la série, cette avalanche d'emmerdes et voir comment Dresden va réussir à s'en tirer. Et c'est pour ça que je parlais de lecteur sadique, c'est que voilà, on va être clair, ça nous plaît quand un personnage, ça lui tombe dessus, mais qu'il arrive quand même à s'en sortir, qu'il doit mobiliser des ressources, qu'il doit changer pour s'en sortir. A l'inverse, le Deus Ex Machina, où là on a une coïncidence qui va sauver le héros, tout de suite c'est plus frustrant. Et je pense notamment, ce qui avait été longuement discuté quand le troisième du Seigneur des Anneaux était sorti, c'était les aigles qui viennent sauver Frodon. Voilà, et les gens avaient dit, oui, mais pourquoi ils ne sont pas allés à dos d'aigle directement? Donc voilà. C'est une coïncidence qui n'avait pas marché. Moi, j'avais trouvé que c'était un peu fumé quand même, et je sais qu'il y avait beaucoup de gens que ça avait sorti de l'histoire. Donc voilà. Dans tous les cas, les coïncidences, c'est quand même mieux de ne pas en abuser. Parce que même si c'est des coïncidences pour mettre sur la gueule au personnage, au bout d'un moment, ça va lasser le lecteur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Deus Ex Machina ou du Diabolus Ex Machina, donc là où on met les personnages dans le caca. N'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo, c'est ce qui me permet de faire connaître mon travail. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.